L'agriculture naturelle, tout comme la permaculture, a toujours existé. Pratiquée depuis la nuit des temps, elle n'a cessé de s'enrichir de cultures et de techniques découvertes de par le monde. Elle nous incite à l'observation et au non-agir. Ce qui signifie que nous pouvons produire mieux en imitant la nature et que c'est d'ailleurs la seule manière de produire durablement notre nourriture sans affecter le capital à venir. En absence d'une observation consciencieuse, nous privilégions trop souvent le traitement des symptômes plutôt que des solutions systémiques. Très simplement, l'agriculture naturelle se base donc sur deux principes fondamentaux. Pas de travail du sol, pas d'intrants chimiques. Grâce à ces principes, les sols s'aggradent plutôt que se dégradent, la biodiversité augmente, les plantes sont plus saines car la nourriture est aussi plus complète et les maladies et les ravageurs ne prolifèrent pas. Sans oublier le jardinier qui, travaillant avec la nature et non contre elle, voit sa santé physique et mentale s'améliorer. Je pense que quelqu'un qui est appelé par l'agriculture naturelle, c'est quelqu'un qui s'est mis en chemin. Il ne sait pas exactement pourquoi, il ne sait pas exactement où il va, mais ça devient un impératif dans sa vie. Et j'ai tellement rencontré de gens dans ma vie qui ont tout plaqué, famille, travail, ville, pour ça, que peu à peu j'ai compris la force que ça avait. J'ai découvert petit à petit la force de cet appel. C'est comme quelqu'un qui serait pris d'une soif immense et qui se met à courir partout pour chercher à boire. Et jamais il trouve à boire. Et un jour, il trouve une source et il se dit « Ah ben j'aurais jamais cru que ça existe. Je savais même pas que c'était ça que je cherchais. Et j'ai tellement d'eau maintenant que je sais même plus quoi en faire. » Et l'agriculture naturelle a une telle profondeur qu'à mon avis, c'est une des rares choses qui est capable d'étancher totalement la soif des gens qui sont appelés par la terre.